Une petite fille nage. On va la plonger dans les paillettes. Mets-lui une couche scintillante. Défais un ruban pour faire des fils. Waouh, ses cheveux sont tellement longs! Bébé Jaya peut contrôler tous les éléments. Le bébé était dans la glace. Elle est l'incarnation de l'élément eau. Ses canetons adorés sont toujours avec elle. La fille sait nager depuis qu'elle est toute petite. Tous les océans obéissent à Jaya. Plie une feuille en deux. Fais pareil que nous. Plie. Encore un peu de patience. On a maintenant un navire. Il y a toute une armée de bateaux qui va prendre la mer. Jaya veut jouer avec son bateau. Elle le lança dans une rivière. On peut entendre le rire du bébé à des kilomètres à la ronde. Le bébé a un peu grandi. Jolis ses cheveux avec leurs grandes feuilles. Waouh, des feuilles tombent! Maintenant, elles sont sur ses vêtements. Jaya a le pouvoir de l'élémentaire. Elle peut contrôler les plantes. Le bateau en papier flottait sur la rivière. Jaya! Ah, quelle bonne odeur! Son toucher fit naître des fleurs. Plein de papillons multicolores arrivèrent en sentant leur parfum. Maintenant, on va passer aux arbres. Un oiseau trouva sa nouvelle maison. Jaya créa un endroit magique en plein milieu de la forêt. Du plastique transparent s'est séparé en plusieurs morceaux. Assemble-les pour faire une serre. Mets du terreau dedans. Et ajoute des pierres colorées. Décore la serre avec des plantes grimpantes. Quel bel enclos! Le temps commençait à se gâter. Le bébé ne savait pas encore contrôler l'air. Suivez-moi, petits animaux! Tout le monde peut se cacher du mauvais temps ici. Jaya lisait des livres à ses amis, tout en écoutant le bruit du tonnerre. Jaya est devenue ado. Comme ça brille! Des nuages duveteux se sont transformés en cheveux. Sa jupe en tulle est si aérienne. Jaya est trop mignonne. L'air est son nouvel élément. Il est temps de voir ce qui se passe sur Terre. Très intéressant. Jaya s'assied en haut d'un arbre dans le skypark. J'aimerais trop savoir faire ça. Bah fastoche, fais comme moi. Je skate. Je vais t'aider avec mes courants d'air. Waouh, jolie figure. Ça a marché. Jaya décida de faire voler sa nouvelle amie dans les nuages. Vide un pot de fleurs. Saupoudre-le de paillettes. Prends un ballon. Colle du papier dessus. Laisse sécher le papier mâché. Décore-le avec des rubans de sequin. Grâce à cette montgolfière, on peut s'élever dans le ciel. C'est l'anniversaire de Jaya. Ses copines lui apportèrent des cadeaux. C'est pour toi. Félicitations. Oh, merci. Je vous en prie, approchez de la table.
Maintenant, c'est à mon tour de vous offrir un cadeau. Surprise ! Waouh, c'est une vraie montgolfière ! Elles s'amusèrent beaucoup à explorer le ciel. Il est temps de redescendre maintenant. Vous en avez pensé quoi? C'était incroyable! Jaya est devenue une belle jeune femme. Lalilou a créé des patrons. On a découpé 3 pièces. Coulées ensemble. Décore le bas de la robe avec du tulle. Ajoute des chaînes métalliques et des accessoires. Ses manches enflammées couvrent ses bras. Maintenant, elle peut contrôler les flammes. La DJ jouait une super musique. Tout le monde dansait et s'amusait. Quand tout à coup, elle débarqua dans la salle. Jaya, c'est impossible de la quitter des yeux. Que la fête commence! Je peux t'inviter à danser? Oh my! C'est à moi que tu parles? Donne-moi ta main. Aouh! Désolée, je découvre à peine le pouvoir du feu. Ma main! Désolée, je reviens, hein. Pars. Démonte un jouet en plastique. Retire le casque rouge. Découpe une visière dans du plastique. Découpe une paire de gants résistant à la chaleur. Assemble une étagère. La sécurité avant tout. Il faut pas jouer avec le feu. Mais oui, voilà ce qu'il me faut. Faut que je me dépêche avant qu'elle parte. Oh, j'ai tout gâché. Salut, je suis revenue. T'es vraiment intelligent. Ce casque me va bien, non? C'est comme s'ils n'étaient que tous les deux sur le dance floor. Jaya a eu des enfants. Chaque bébé a une couverture qui correspond à son élément. Le symbole de leur élément orne leur couverture. Les bébés seront élevés avec de l'amour et beaucoup d'attention. Après quelques années, le couple eut des enfants. Bravo pour vos enfants! Voilà vos filles. 3, 4. Jeune homme, je te comprends. Ça fait beaucoup d'un coup. Georges, tu vas bien? Ouais, ça va. Papa comprit que plus ils ont d'enfants, plus leur foyer sera rempli de bonheur. On ne souhaite que du bonheur à cette famille des 4 éléments. Applique de la peinture acrylique sur un support métallique. Les barreaux ont fleuri. Accroche une plante à des cordes. Dans le monde magique, les habitants aiment faire de la balançoire. On voulait te remercier en te construisant une balançoire. On va s'y mettre maintenant. On a fini, regarde! Beau travail! Ils proposèrent à Flora de l'essayer, mais elle décida de laisser d'abord les animaux jouer dessus. Ils s'amusèrent tous beaucoup. Puis, Flora sauta à son tour sur la balançoire.